On veut remercier nos partenaires chez Dalton Industries de nous avoir envoyé des pièces de clutch à essayer cet hiver. Ils nous ont envoyé des rampes ajustables et des springs. On va essayer ça puis on vous redonne des nouvelles au courant de l'hiver. Ils ont pensé à leurs clients québécois en nous demandant de faire un petit tutoriel sur comment utiliser leur site Drive Power en français. Alors, vous allez sur le site de Dalton Industries, daltonindustries.com. Une fois arrivé sur le site, si vous voulez voir le contenu en français, c'est facile, simplement aller sur l'icône Google Translate, choisissez l'onglet French et tout le contenu va apparaître en français. Ensuite, pour voir les produits de motoneige, vous allez dans Produits motoneige. Dans le cas, on cherche du stock Polaris. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a les photos couleurs et la description de tous les produits disponibles par Dalton. Alors, c'est plus facile de faire un choix, puis on peut avoir les informations qu'on a besoin. Une fois qu'on sait ce qu'on veut pour notre kit de clutch, pour commander, c'est facile. On peut passer par nos détaillants favoris. Ou si on veut commander directement de Dalton Industries, on va sur Info Commande Générale. Ensuite, sur leur nouvelle application Drive Power qu'ils ont mis en ligne récemment. Une fois sur le site de Drive Power, c'est important de choisir le bon site pour avoir les prix en dollars canadiens. On va aller dans la section des produits pour la motoneige. Dans notre cas, on veut regarder les pièces Polaris. On va aller voir les rampes ajustables. Encore une fois, vous avez la photo couleur. Vous avez une description du produit. Puis, qu'est-ce qui est très important pour votre commande, c'est les specs des rampes que vous voulez. Alors, pour commander, ici, vous allez rentrer les specs voulus. Vous avez juste à choisir, à faire un petit copier-coller des specs que vous voulez. Vous venez coller ça ici. Vous sauvez vos paramètres. Ensuite, si vous êtes satisfait, vous l'ajoutez à votre panier. Une fois que vous êtes prêt à faire le paiement, vous allez au checkout. Alors, une fois ici, c'est important de vérifier notre commande, s'assurer que tout est correct, qu'on a choisi les bonnes options, la bonne quantité. Ensuite, on est prêt à procéder au checkout. Une fois rendu ici, vous avez le choix de créer votre compte pour des achats futurs, comme ça vos infos vont être sauvegardées, ou de procéder en tant qu'invité. Vous complétez les formulaires et après ça, ils vont vous demander vos informations pour la livraison et le paiement. Vous pouvez payer par PayPal ou par carte de crédit. Vous allez recevoir votre produit un peu de temps après. Yes, sir!